Bonjour et bienvenue pour une sorte de petite mise à jour du Tank 2.0 que j'avais fait il y a pas très longtemps sur Nioh 2, donc on va appeler ça le Tank 2.1. Alors en gros j'avais fait une première version, donc la 1.0, c'était avant le DLC, et une fois que le DLC est sorti, donc j'ai rajouté des nouvelles choses par rapport au DLC, surtout genre des nouveaux noyaux qui viennent du DLC, des nouvelles armes qui viennent du DLC, etc. Et du coup je l'ai appelé le 2.0, évidemment. Mais c'est vrai que, par exemple, si je prends un peu l'exemple du tank et l'histoire, on va dire, du tank que utilisé. Celui que je montrais en fait dans la toute première version a été un peu différente quand on s'est lancé dans le DLC, parce que j'avais changé quelques équipements et quelques petites choses en fait. Mais du coup je l'avais pas montré en vidéo, donc les gens sur le stream quand on a entamé en fait le DLC sont venus me demander qu'est-ce que j'avais changé, etc. Donc du coup j'avais envie de, vu que bon on attend maintenant le deuxième DLC, donc quand le DLC 2 sera sorti, ce sera ma version du tank genre 3.0, je me suis dit pourquoi pas faire des sortes de petites mises à jour, genre si je trouve quelque chose de plus intéressant, de mieux et tout ça, faire des 2.1, 2.2, etc, etc. Ça peut être plutôt pas mal et ça fait un peu une suivi en fait par rapport au build, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Donc en gros celui-là, voilà, ça va être une sorte de petite mise à jour après le premier DLC. Donc j'ai changé quelques trucs. Surtout pourquoi? Parce que j'ai beaucoup fait en fait les parchemins. Donc si on regarde les parchemins, j'en ai des très très hauts niveaux. Rareté terminée, niveau recommandé. Niveau recommandé. Par exemple, mon plus haut est le 370+20, où on peut récupérer le miroir Yata par exemple. Et j'en ai de très très hauts niveaux. Et j'en ai même je viens juste d'en récupérer encore des nouveaux. J'essaye maintenant de récupérer un peu des parchemins du DLC, parce qu'ils ont été rajoutés il n'y a pas très longtemps avec la dernière mise à jour, la 1.14. Et du coup j'ai fait ça en expédition pendant mon dernier stream sur Nioh 2 et c'était intense, c'était très très intense et plutôt fun à jouer honnêtement, parce que c'est vrai que la voix du démon est quand même pas extrêmement difficile, tous les boss se font encore one shot et tout ça, y a aucun problème pour ça, mais c'est vrai que dès qu'on commence à jouer en expédition à 3 joueurs et qu'on dépasse les niveaux 350 des parchemins, là on voit un peu la difficulté du jeu et je trouve ça très très intéressant et j'encourage énormément de jouer comme ça et de faire ça. Du coup j'ai changé quelques trucs sur mon tank, je l'ai rendu plus résistant et dans un sens il fait plus de dégâts aussi. Et j'ai changé un peu son rôle, on va dire. Donc par exemple, j'ai rajouté, je l'avais déjà mis dans la première version du tank, la 1.0, mais je l'avais enlevé pour la 2.0. C'est ça, donc exécute la mutation yokai si votre jauge d'abrita est pleine et que votre vie tombe à zéro quand vous êtes dans le royaume obscur. Donc royaume obscur, c'est surtout créé par les boss. Donc du coup, ça vous permet de rester en vie et d'avoir ça, une sorte de deuxième chance. Voilà, on va appeler ça une deuxième chance. Si vous avez plus de parchemin ou vous avez oublié bêtement de remettre un parchemin de second souffle, donc voilà, ça c'est vraiment bien. Et j'ai changé aussi les noyaux. Je crois que les noyaux c'est le plus important en fait des changements de la 2.1 pour mon tank. C'est-à-dire que maintenant bon, on utilise toujours Onryoki parce que c'est vraiment un très très bon noyau pour un tank. Mais maintenant on utilise le Gozuki. En gros avant on spammait Onryoki, maintenant on spamme Gozuki. Gozuki reste encore en fait le meilleur noyau pour détruire le ki des ennemis, que ce soit ennemis normaux ou alors boss, même boss en expédition, c'est très 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 simple de détruire le ki en expédition à 3, alors que normalement ils sont très résistants, genre les plumes et tout ça des ninjutsu, ça fait quasiment aucun dégât au ki, mais Gozuki reste vraiment le plus puissant, donc j'ai mis ça. Et après j'ai rajouté un noyau d'âme de Gaki qui il est bien, voilà, le noyau est bien, il y a dégâts de capacité des yokai sur tous, recharge d'anima sur le royaume obscur, donc quand on est en royaume obscur en fait on récupère énormément plus d'anima, donc ça nous permet encore plus de spammer Gozuki qui est vraiment très très bien. J'ai aussi changé quelques petites choses, j'ai reforgé mon Yazakani Magatama et ça m'a pris 3 heures, putain c'était horrible. Et j'ai réussi à récupérer les dégâts de mêlée sur ennemi à court de ki, parce que c'est vrai que bon, bah du coup vu que mon tank détruit le ki, du coup on gagne un 18%.6. 18%.6 qui est assez bas, hein. Je vous rappelle que vous pouvez avoir jusqu'à 20%. Voilà,
Donc 18,6 c'est quand même assez bas sur l'échelle. Je crois que c'est entre 18 et 20%. Donc j'ai eu un mauvais roll pour ça. J'aurais bien voulu avoir un 20% pile. Ça serait vraiment vraiment cool. Mais voilà. Et après pour le chapelet je le changerai plus tard. Peut-être quand j'aurai le miroir ou quelque chose d'autre. Donc voilà, on pourrait avoir dégâts de mêlée sur ennemi à Kuroki. 2 fois 20% par exemple, ça serait vraiment cool. Et pour l'équipement lui-même, il n'a pas changé, donc allez voir la première vidéo, la 2.0. Elle est très très éditée celle-là, la 2.0 que j'ai faite pour bien expliquer comment le tank fonctionne. Celle-là, elle va pas vraiment être éditée, hein. Je vous montre un peu ce que j'ai changé, puis après on va se lancer dans les combats. Donc voilà, par contre on va prendre la version du tank sans le parchemin de chance. Tank à charger, oui. Voilà, et il faut remettre l'accessoire, parce que l'accessoire a changé. Voilà, et on va sauvegarder ça, désolé. Sauvegarder, très bien. Donc on va lancer un petit parchemin. Je vais pas lancer un parchemin chiant par contre. Allez, 366, c'est haut niveau. Il y a Onryoki à la fin, des Enki, des Onibi. Des le Onryoki, ça va, ça passe. C'est pas mal. C'est pas un boss trop long. Je veux pas un boss long en fait. Je veux juste vous montrer en fait la puissance de la destruction du ki en fait de mon personnage, de mon tank. C'est seulement pour ça que je veux faire ça. Donc on fait un truc assez vite. Je veux pas que la vidéo dure 3 ans. Aussi, ah oui, c'est vrai que j'ai remis le talisman de résistance. Ça aussi, j'en avais parlé déjà genre avant le DLC en disant que le talisman de résistance est inutile pour le moment. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée du coup de la voix du démon, oui, c'est utile parce que j'ai joué avec un parchemin en expédition et vous avez des gaki qui peuvent vous paralyser juste en vous touchant en fait, genre avec la mare de paralysie au sol. Si vous la touchez genre une fraction de seconde, vous êtes directement paralysé. Et il y a pas mal de monstres aussi qui sont des fois en mode corrompu là. Enfin pas corrompu, c'est quoi? Enfin bref, vous savez de quoi je parle. Ah non, je voulais pas boire ça, c'est pas grave. Vous savez de quoi je parle? Et ils peuvent vous paralyser en fait au toucher. Et c'est extrêmement puissant. Donc du coup, le fait de... Alors regardez, hop. On arrive à 7600, c'est pas mal. On va s'enlever le... électrique, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? De quoi je parlais? Je sais plus de quoi je parlais, j'ai oublié. Oui non, la paralysie peut être très très dangereuse. Donc je vous conseille de... Regardez-moi ça. Hop là, on l'a fait une seule fois, le truc est déjà à terre. Le truc est déjà à terre. Ah, j'aurais pas dû prendre le noyau, je voulais montrer en fait la génération d'anima. Vous voyez que en fait la génération d'anima est extrêmement élevée. Et vous pouvez faire des boucles en fait. En gros, vous êtes presque en train de stunlocker les boss ou les gros yokai avec ça quoi. Donc vraiment vraiment très puissant. Le tracking aussi est énorme en fait de cette attaque. Le tracking est super élevé. On va faire ça. Voilà. C'est parti. Regardez-moi ça. Le kick ça enlève à chaque fois de faire cette attaque. Et vous pouvez la spammer honnêtement. Vraiment vous pouvez la spammer facilement. Voilà. Facile. On la rebalance. Et en plus vous faites des dégâts au boss, et plus la barre de ki maximum en fait va être basse. Donc du coup, bah, vous pouvez le faire en fait très très facilement. Voilà, encore une fois, tranquille. Et à chaque fois, on fait dans les 7000 de dégâts avec le grab. Et voilà. Il nous a même pas mis dans le royaume obscur, c'est un peu bête. On aurait pu voir en fait la régénération de ki qui est vraiment énorme. Sinon oui, pour l'attaque comme j'ai dit, si jamais vous ne ciblez personne, en fait vous allez aller tout droit et vous êtes dans l'incapacité de tourner à droite à gauche en fait. Le personnage ne répond pas en fait. Par contre, si vous êtes en train de cibler, votre personnage va pouvoir faire genre des...
des 180 degrés, tout ça. Le tracking est absolument fou. Le tracking de Gozuki est absurde et vraiment, vraiment cool, du coup. Donc, vous pouvez connecter facilement les deux coups, parce qu'à chaque fois, il fait deux coups, en fait. Il y a la charge et après, il y a la levée des cornes. Donc, voilà. Donc c'est un peu comment fonctionne maintenant mon tank. Mon tank est là pour, du coup, ben, on est toujours dans la résistance absolue et, le coup de rester en vie en fait très facilement avec la réduction de dégâts et tout ça, avec le gros régène et tout. Mais on est vraiment dans la destruction du ki et du spam de noyau d'âme Gozuki pour en rajouter encore plus en fait à la destruction du ki. Donc ça marche extrêmement bien, ça marche très très bien. Et encore une fois, voilà, le changement, le petit changement, dégâts de grappin en plus et dégâts de mêlée sur les ennemis à court de ki, ça marche très très bien pour notre... tout marche, il y a une sorte d'harmonie en fait dans toutes les stats qu'on utilise. Donc vraiment vraiment cool. Donc voilà, ça sera, je voulais voilà, montrer juste une petite vidéo comme ça, une sorte de mise à jour, la 2.1. Et si jamais je change encore mon tank, mais vraiment je change... beaucoup quoi, je ferai sûrement un 2.2 si jamais par exemple je sais pas il nous rajoute des missions avec des nouveaux noyaux avant l'arrivée du prochain DLC, mais voilà, vu que j'ai changé les noyaux et j'ai un peu changé comment mon tank fonctionnait, qu'est-ce qu'on va mettre, 55 de ki, c'est pas mal hein, 55 de ki comme ça c'est bien, je trouve ça pas mal. Dégâts de capacité yokai, bah tiens, on va les garder, on verra ça après. Mais voilà, c'est le tank, c'est mon tank 2.1. J'espère que ça vous aura aidé. Testez un peu ce système-là de spammer Gozuki, c'est vraiment, vraiment pratique. Vous récupérez énormément d'anima en prenant des dégâts, et vous récupérez beaucoup d'anima en étant dans le royaume obscur. C'est vrai que le Gaki est quand même pas mal, Donc essayez d'avoir genre un Gaki comme le mien, genre par exemple dégâts de capacité yokai sur tout, et après j'ai dégâts de capacité yokai en fait sur les deux. Donc ça aide énormément pour les dégâts. Mais voilà, et si vous êtes intéressé comment reforger les noyaux, comment reforger les accessoires et tout ça, c'est dans la description, donc allez dans la playlist de Nioh de ma chaîne et vous trouverez tout ça. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez, partagez vos builds et tout ça. Le prochain build qui arrivera sûrement pour moi, ça va pas être un mage Omnio du coup, ça sera pas le guerrier Omnio. J'ai testé, je suis pas très très satisfait pour le moment des dégâts et tout ça, donc va falloir que je travaille encore un peu dessus. Par contre, c'est le nouveau tireur en fait que j'ai créé, qui peut être pas mal, mais il est pas encore fini. Mais voilà, on verra ça si ça tient la route en rêve du démon, genre de A à Z sur une mission de DLC par exemple. Donc on verra ça. Ça sera tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, ciao ciao.